Salut les belles plantes et les belles fleurs, c'est Joël pour la chaîne YouTube Reporter Lumière. J'espère que vous allez bien, que vous vivez votre vie avec tout ce qu'il y a, tout ce qui nous est donné à expérimenter, à apprendre, à conscientiser, à guérir, à se transformer, à aller, à être, à vivre. Je fais cette vidéo simplement pour dire que c'est une grande pause depuis mon accident de voiture d'avril dernier. Je vais encore plus en profondeur dans l'être que je suis. Avant mon accident, je touchais déjà à des ténèbres, les fonds des tréfonds obscurs de tout ce que nous pouvons connaître en émotions, en sentiments, en blessures, en miroir avec les autres. Et voilà, je suis en train d'apprendre à ralentir, en train d'apprendre à regarder les beautés en moi et autour de moi, et surtout les ombres en moi et autour de moi. Et de me reconnecter à cette part de non-action, à cette part d'intériorité, à cette part de connexion au féminin sacré, à l'enfant intérieur, à la paix, à juste être. Quand je vois justement aujourd'hui toute cette nature, chaque rythme, chaque taille différente, chaque espèce, chaque couleur, chaque senteur, voilà. L'un des messages de cet été, quand je suis allée à la grotte de Sainte-Baume, c'est la vie est justement faite de senteurs, d'odeurs agréables, moins agréables, comme de sonorités dans la musique de la vie, agréable, moins agréable, comme de couleurs agréables, moins agréables. On fait avec tout. Voilà, noir, gris, blanc, jaune, toutes les couleurs. Et je remercie vraiment la vie, avec toutes les épreuves, avec voilà, tout ce que chacun, chacune a en... en transgénérationnel, en lignée familiale, en trouver son père et sa mère en soi-même, et aussi trouver son amour pour soi-même. La tendresse un peu plus pour soi-même et écouter ses propres rythmes. Et ça, c'est que cette année, enfin, depuis mon accident, que j'ai appris et que j'ai vraiment acté que oui, quand mon corps il me dit repose-toi, je me repose. Et je laisse l'intérieur se nourrir. Je ne sais pas de quoi, j'ai eu beaucoup peur parce que c'est l'inconnu. Après mon accident de voiture, c'est d'autres regards. C'est j'étais tellement dans l'action, tellement dans je veux être membre d'association, je veux faire des expositions, je suis une artiste, je... etc. etc. Maintenant, je suis un petit pas après l'autre dans le lâcher prise, dans la confiance en l'univers, en le divin, en Dieu, en Maman Marie, en tous nos guides, en nos ancêtres qui sont là pour moi, pour chacun, pour chacune, sur notre chemin de vie, sur nos cheminements. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et je me laisse porter par les rencontres, les inspirations.